Salut tout le monde, c'est Crazy Fast, et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de cette colonie de fourmis que j'ai récupérée hier. Je vais vous expliquer aussi comment je l'ai eue. Allez, c'est parti. Voilà, donc ces fourmis, je les ai trouvées dans un pot de terre qui devait me servir à rempoter la fougère des Oreophytes perruna. Donc c'est eux. Et en fait, j'ai mis un coup d'une espèce de pelle dans le pot. Il y a plein de fourmis qui se sont barrées. En fait, je venais d'écrouler leur colonie. Alors, vu qu'il y avait rien à faire parce que la terre est très humide et j'avais peur qu'elle meure, j'ai pris un petit aspirateur à fourmis bricolées, je l'ai tout aspiré, j'ai aspiré tous les œufs, enfin j'espère les avoir tous aspirés, la reine et le plus possible d'ouvrières. Je pense que je les ai à peu près toutes, j'en ai une cinquantaine. Et là on dirait pas qu'il y en a une cinquantaine, mais il y en a beaucoup qui se cachent dans le petit tuyau qui est là, et genre beaucoup, le tuyau est plein. Je les ai mis hier après-midi, mais elles ont pas l'air de vouloir déménager dans le nid en plexi que je leur ai fait. Donc je sais pas pourquoi, je pense qu'elles ont toujours pas compris en fait qu'il y avait un nid. Voilà, c'est un nid en plexi comme celui-ci, vous voyez. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire des nids comme ceci. C'est possible, ça ne devrait même pas tarder. Alors, donc ici il y a toujours le tuyau de raccordement. J'ai superposé le nid parce que comme ça le tuyau descend au lieu de monter. Ce sera plus logique pour elles de descendre vers leur nid en partant du sol. Le sol qui est donc l'air de chasse. Pour le moment, j'ai rien mis dans l'air de chasse, je voudrais vraiment qu'elles déménagent assez vite. Et si elles ont des petites cachettes dans l'air de chasse, elles vont pas déménager. Pour les faire déménager plus vite, je pense, parce que là ça fait quand même une journée complète quasiment, je vais essayer de refroidir ce nid là, enfin cette aire de chasse de 2-3 degrés, et réchauffer le nid de 2-3 degrés aussi. Pour voir si elles déménagent, j'espère que ça va marcher. Ici, bon, on a un coton imbibé d'eau, il y a toujours un peu de terre parce que j'ai pas réussi à tout aspirer. Voilà. Je vais vous montrer au passage les deux les chauderus quadripunctatus. Petite mise au point. Hop. Alors là, elles ont déplacé le couvain. Je vais vous montrer. Elles ont mis ici et là, alors qu'avant il y avait juste là. Les autres chambres du nid sont toujours pas occupées, mais vu que le couvain commence à devenir assez important, bah, elles sont déplacées. Donc je leur ai mis une plus petite aire de chasse parce que j'ai pas d'autres boîtes comme ça. Donc, je vais essayer d'en faire une un peu mieux après. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'on peut relier un autre tube derrière et c'est bouché avec un morceau de bâton de colle chaude. Donc c'est assez étanche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah oui, s'il y en a qui sont hyper calés en fourmis, donc je parle notamment de Crazy Fourmi ou The Tib ou je sais pas quoi. Je vais essayer de caler la caméra et de faire une mise au point, ça va être un peu compliqué. Alors. Toc. Et ben on voit rien. Très bien. Je suis un peu déçu. Ouais, j'ai pas une super bonne caméra. Je me mets plus loin peut-être. Voilà, bon là ça va être un peu chaud de faire une identification avec ça. Je pense que ça va être du Lasius d'après mes faibles connaissances en fourmis. Après c'est vrai que je suis pas forcément très fort en identification. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, désolé si cette vidéo était faite un petit peu à l'arrache, mais j'ai pas beaucoup de temps. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à laisser un commentaire, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.